commencer par quelque chose. Napenda kuanzia kwa kitu kimoja. J'ai entendu un cantique ici. Lisikia mwimbo moja hapa. Et le frère en expliquant, il a donné un passage. Na ndugu kwa kuleta tafsiri alileta usomi moja. Il a parlé de Jésus qui est devenu pécheur. Akasema Yesu alijifanya kuwa mtenda zambi. Je vais parler justement de la connaissance de Dieu. Mitazungumzia kuhusu ufahamu wa Mungu. 2 Corinthiens 5, je crois, 5, quelque part. Wa Korinto wa pili tano, nafikiri tano. Jésus n'est pas devenu pécheur. Yesu Kristo hakujifanya kuwa mwenye zambi. Jésus est devenu péché. Lakini alijifanya kuwa zambi. C'est deux choses différentes. Ni vitu viwili vya kuachana. Donc essayons de corriger des choses simples. Tuwe tayari. Parce que quand vous dites que Jésus est pécheur, rekebisha maneno madogo madogo. Ça devient une hérésie. Tukisema Yesu alijifanya kuwa mtenda zambi na kuwa kosa. Est-ce que j'ai mal fait de corriger ça? Nimekosea ku. Parce que j'allais oublier. Rekebisha hiyo. Jésus n'est jamais devenu pécheur. Yesu Kristo d'ailleurs même nous fanyika kuwa mtenda zambi na sisi tunapaswa kuwa na furaha. Si nous étions des pécheurs, c'est hier, avant de recevoir Christ. Na kama tulikuwa watenda zambi ni jana kabla ya kupokea Yesu Kristo. Mais toi, tu ne peux plus te dire pécheur. Lakini wewe huwezi kujiita tena mtenda zambi. Tu es un saint de Dieu. Wewe unakuwa mtakatifu wa Mungu. Un justifié de Dieu. Ni kusema aliyetetewa haki na Mungu. Parce que le péché pour toi a été condamné à la croix. Maana kwako zambi yako ilisulubishwa msalabani. Et quand tu as reçu Christ, Jésus a enlevé le péché de ton cœur. Na wakati ulipokea Yesu Kristo alitoa zambi moyoni mwako. Donc ce n'est pas juste de dire nous qui sommes pécheurs. Kusema, sisi ambao tuko watenda moi, je n'accepte pas ça. Iyo moi, je ne suis pas un pécheur. Mimi siko mtenda zambi. Je suis un racheté de Jésus. Mimi ni mkombolewa wa Yesu. Je suis un racheté de Jésus. Mimi ni mkombolewa wa Yesu. Je suis un racheté de Jésus. Wewe ni mkombolewa wa Yesu Kristo. Il a fait une fois pour toutes. Na alifanya mara moja. Ce que nous attendons, tunachokichunga, que nous puissions aller le rejoindre. Ni kwamba tuende kukutana naye mbinguni. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Gloire à Dieu. Nous allons prier un peu. Taomba kidogo. Nous commandons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Tuache mioyo yetu mikono ya Bwana. Je sais que tu as prié. Dis quelque chose pour moi qui suis devant ici aussi. Que je sois fort, très fort. Parce que je gère mes mouvements. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ce matin. Nous pouvions ne pas être là. Tu nous as fait grâce. Nous ne sommes pas là par nos efforts. Mais c'est toi qui as voulu qu'il en soit ainsi. Et parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi, tu as un message pour mon frère. Et nous voulons que ce message soit dit avec puissance, avec onction, pour la gloire de ton nom. Que cette parole nous change et nous transforme. Et nous aide à toujours dépendre de toi. Parce qu'auprès de toi, il y a toutes les ressources dont nous avons besoin. Pour la vie sur cette terre et la vie qui nous attend dans le ciel, là où nous serons à tes côtés. Oui, je sais que je vivrai à tes côtés pour l'éternité. Jésus, merci de nous parler ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amina. Nous parlons de l'onction divine. Tunazungumzia kuhusu upako wa mbingu. Et aujourd'hui, je vais parler des trois ingrédients de l'onction divine. Na leo nitazungumzia juu ya manukta tatu ama jambo tatu muhimu ya upako wa mbingu. Et en répondant justement à la question, kupitia kujibia kwa swali, quels sont les trois ingrédients de l'onction divine? Ni vitu gani vitatu vya muhimu ndani ya upako wa mbingu? Et j'aimerais qu'on prenne 2 Pierre 1, 5, c'est un petit passage. Napenda tubebe Petro, il va nous aider wa kwanza, sura à développer pili. Ce que nous avons compensé ce matin. 2 Pierre 5. Moja tano. Est-ce qu'on y est? Tulisha kupata. 2 Pierre 5. Petro apili, moja. À cause de cela même, ni kwa ajili ya hiyo pia, faites tous vos efforts,
pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Yani ufahamu. À cause de cela même, kwa ajili ya hiyo pia, faites un effort. Fanyeni yote iwezekanayo. À joindre à votre foi, kuongeza kwa imani yenu, la vertu, uhaki, et à la vertu, na kwenye uhaki, la connaissance. Uongeze pia ufahamu. Quels sont les trois ingrédients que j'ai choisi aujourd'hui? Na vitu gani vitatu nimechagua leo vya muhimu? J'ai choisi la foi. Nachagua imani. Premier point. J'ai choisi la vertu. Nachagua uhaki. Et j'ai choisi la connaissance. Na nimechagua tena ufahamu. Quand je parle d'ingrédients, je vois tout ce qui est nécessaire dans la préparation d'une sauce, par exemple. Wakati nazungumzia viungo, ni kusema vitu vya muhimu kwa ajili ya kutengeneza supu fulani. Une maman est en train de préparer sa sauce. Wakati mama anatengeneza supu, il y a des choses qu'on doit trouver dedans. Kuna viungo ambavyo inabidi viwe ndani ya supu. Donc si ces choses manquent, kama hivyo viungo havipo ndani, la sauce sera là, ni kusema supu itakuwepo, mais ne sera pas bonne. Lakini haitakuwa supu nzuri. Et pour que l'onction soit véritablement une onction qui vient de Dieu, il y a plusieurs choses qui doivent se retrouver à l'intérieur de cette onction. Mais j'ai choisi trois ce matin dans ce petit passage que je vous ai lu. La foi, imani, la vertu et la connaissance. Na ufahamu. Commençons par la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tuanze na imani wapendwa katika Bwana. Par définition, simple définition, na kwa ufafanuzi imani, quand on parle de la foi, tunaposemezea imani, on voit la confiance que nous avons dans la parole de Dieu. La confiance que nous avons en Dieu et dans sa parole. Tumaini tunayo ndani ya Mungu na ndani ya neno lake. Et même dans les effets de la parole de Dieu. Na vile vile ndani ya matukio ya neno la Mungu. Donc si quelqu'un croit en Dieu, nikisema kama mtu anamwamini Mungu, c'est qu'il croit, anachokiamini, c'est que dit la parole de Dieu est la vérité. Nikisema naamini ya kwamba kile kiote neno ya Mungu inasema ni ukweli. Donc si c'est la parole de Dieu, nikisema kama ni neno la Mungu, c'est que cette parole promet, nikisema kile ile neno ina ahadi, se réalisera toujours. Hakika yatatimia. Simple définition de la foi. Ni ufafanuzi. Alors la foi ya imani a beaucoup d'avantages. Na imani na mafaida mengi. Commençons par le premier avantage. Tuanze na faida ya kwanza. Ephésiens 2:8. Wa Efeso wa pili sura ya 8. Que beaucoup de gens connaissent. Watu wengi wanaifahamu hiyo usomi. Mais j'aimerais que vous écriviez cela. Na omba tafadhali muiandike. Ephésiens 2:8-9. Wa Efeso. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Kweli ni kupitia imani mmeokolewa. Cela ne vient pas de vous. Na hiyo haitokani na nyinyi. Mais c'est un don de Dieu. Lakini ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ce n'est ni par les œuvres. Sio kupitia matendo. Afin que personne ne se glorifie. Kusudi mtu yeyote asingelijitukuza. La première chose, kitu cha kwanza, que nous avons dans la foi en Christ et Jésus, kile ambacho tunapokea katika imani ndani ya Kristo, c'est notre assurance par rapport à notre salut. Ni kusema ni uhakikisho kulingana na imani na wokovu wetu. Donc si quelqu'un me pose la question, nikisema mtu akiniuliza, sais-tu si tu es sauvé, oui ou non? Unajua kwamba umeokoka kweli au hapana? Je serai à mesure de lui dire. Mimi kwa ghafla nitamwambia. Parce que cela est écrit dans la parole. Sawa vile imeandikwa ndani ya neno la Mungu. Je crois. Mimi na amini. Que je suis sauvé. Ya kwamba nimeokoka. Sais-tu où tu vas passer ton éternité? Unajua ni wapi utapitisha umilele wako? Parce que notre destinée c'est être dans l'éternité avec Dieu. Maana mwisho yetu ni kuwa hakika fasi moja na Mungu. Je crois que je serai avec Dieu dans l'éternité. Naamini ya kwamba mimi nitakuwa na Mungu muumilele. Mais pourquoi?
Parce que cela est écrit. Je n'invente rien, mais parce que cela est écrit. Donc quand j'ai la foi, je dois avoir l'assurance que je suis sauvé. Je dois avoir cette assurance que je suis enfant de Dieu. Et que rien ne pourra me séparer de Jésus. Remarquez que je suis en train de parler d'assurance. Cette assurance qui manque à beaucoup de gens. Et c'est pourquoi ils trébuchent facilement par rapport à la foi. Est-ce que tu as l'assurance que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance que tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance que si Christ vient aujourd'hui pour enlever son église, tu seras parmi les enlevés? Est-ce que tu as cette assurance ce matin? Moi, je suis venu te communiquer cette assurance. Parce que cela ne dépend pas de nous. Le salut est le don de Dieu. Ça ne dépend pas de mes œuvres. Mais ça dépend de Dieu. C'est un don. Bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible parle, un don c'est un cadeau. Écoutez, nous cherchons beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de choses. Mais il n'y a pas un meilleur cadeau que Dieu peut te donner que le salut. Zawadi kubwa unaweza kupokea kwa Mungu kama sio wokovu. Il n'y a pas un meilleur cadeau que Dieu peut te donner que le fait d'être sauvé. Parce que toutes les autres choses que Dieu nous donne resteront sur cette terre. Et là où nous irons seuls dans notre esprit. C'est pourquoi la Bible dit c'est un don de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux saisir ce don ce matin et dire avec assurance que je suis sauvé? Alléluia, je verrai Jésus. Alléluia, je serai à ses côtés. Alléluia, je vivrai avec lui. Est-ce que tu as cette assurance? Deuxième avantage, et là nous sommes dans la vie de tous les jours. Je voudrais qu'on lise quelque chose dans Daniel. Napenda tusome kitu kidogo mu kitabu ya Danieli. Celui qui peut trouver avant moi peut lire Daniel 3, 17. Mwenye anapata mbele yangu anaweza kusoma Danieli 3, 17. A quoi peut servir la foi? Imani natusaidia kwa ajili ya nini? Daniel 3, 17, personne a trouvé. Danieli 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et quand vous lisez la suite, au verset 15, ils n'ont pas adoré, évidemment, ce n'est pas ce que je cherche. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. La foi. Imani. Nous donne l'assurance que nous pouvons être délivrés de n'importe quel danger qui nous guette dans la vie. J'ai la foi que je suis sauvé. Mais je dois avoir aussi la foi que dans la vie de chaque jour, Dieu est capable de m'épargner des choses désagréables. Et c'est le cas de Shadrach et ses compagnons qui ont été jetés dans la fournaise de feu ardente. Et vous savez que le feu était adoré comme un dieu. C'est que si on vous jette dans le feu, ça n'est fini, vous êtes mort. Mais ces jeunes gens n'ont pas eu peur. Ils ont refusé d'adorer les dieux babyloniens. Encore moins la statue qui était élevée devant eux. À cause de leur connaissance de l'Éternel. Mais alors on va les jeter dans la fournaise. Mais imagine-toi cette fournaise qui est chauffée cette fois. Ça ne veut pas dire qu'on était en train de compter une fois chauffée encore. Non. Cette fois c'est symbolique pour dire que c'était le top niveau du feu. Donc, un niveau tel que personne ne peut s'en sortir. Mais écoute, grâce à Dieu, ces jeunes gens sont sortis libres. Alors qu'ils ont été jetés liés, ils n'avaient plus de liens. Lakini walijikuta bila vifungo. Regardez, sikilizeni. C'est la même chose que Dieu d'Agon. Ni vile Mungu wa Dagoni, Mungu akatumia moto pour délier. Juu ya kukata makamba. On les jette, ils sont enfermés, liés. Nikusema bana batupa basha kubafunga mikono. Mais pour sortir, il faut qu'ils soient déliés. Kwa kutoka inabidi baba fungule. Les personnes qui sont jetées, qui les ont jetés eux-mêmes sont morts. Bale batu bali batupa mule, ile moto tu ya karibu ile bachoma bali kufwa. Sasa bata bafungula je. Le feu a été utilisé. Vous savez Dieu, Munayua Mungu, l'Éternel des armées, il peut utiliser n'importe quoi. Wa majeshi anaweza tumia kiote anataka. Pour sauver nous qui sommes ses enfants. Kwa ajili ya kutuokoa sisi watoto wake. Et c'est le feu que Dieu va utiliser. Na ni moto Mungu alitumia. Tu vas délier ces jeunes gens. Asema wewe moto bafungule ile mankamba. C'est le seul travail que le feu a fait. Njo kazi moto ilifanya. Le délier. Ni kukata minyororo yabo. Vous lisez la suite. Unaposoma ifuatayo. Le feu n'a pas touché même un seul cheveu. Moto haikuchoma hata nyele ya kichwani chao. Une seule tunique. Nikusema hata nguo haikuchoma. Mais le feu a choisi les liens. Lakini moto ilichagua minyororo. Pouvait être libre. Njoo kwa maana walijikuta kuwa huru. Ton Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mungu wako ni Mungu wa majeshi, Bwana milele wa majeshi. Ne restreins pas Dieu. Hapana kumfupisha Mungu. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza yote. Dans n'importe quelle circonstance. Mukila kintu kia maisha yako. Je suis venu te dire ce matin. Acha ni kuambia asubuhi ya leo. C'est celui qui nous arrache des dangers. Mungu ndio anatuokoa kama mama yangu. Quand tu es en danger de mort. Kama unajikuta muhatari ya rufu. C'est l'Éternel qu'il faut invoquer. Ni wa milele ndio ifo kuita. N'invoque pas les dieux des nations. Hapana kuita miungu ya mataifa. Nous n'allons pas nous ajouter devant tes dieux. Si hatuta inama mbele ya Mungu yako. Notre Dieu. Si tuko na Mungu wetu. Nous croyons que c'est ce Dieu-là qui est Dieu. Na tunaamini kusema ule ndio Mungu. Et notre secours. Na atakuja kutuokoa. Ces choses. Maneno haya. Dépend de l'assurance que j'ai. Ya uhakika niko nayo. Si tu n'as pas cette assurance. Kama una na hiyo hakikisho. Tu vas fuir en désordre. Utakimbia huku na huku. Tu as besoin de l'assurance. Wewe unahitajika na uhakika. Tu es sauvé. Sio tu kusema umeokolewa. Mais que Dieu peut te délivrer même des dangers de la mort. Mungu anaweza kukuokoa toka hatari ya kifo. Dieu est capable. Mungu anaweza. Troisième chose. Faida ya tatu. Voyons l'histoire de David. Tuone historia ya Daudi. Dans 1 Samuel. Samueli wa kwanza. 17, j'espère que quelqu'un va nous lire ça, si vous trouvez Samuel avant moi. Samuel wa kwanza 17.
1 Samuel 17. Samuel wa kwanza 17. Le verset 3, 35 plutôt, pour vous mettre dans l'ambiance. Je courais après lui. Je commence à 34, c'est David qui est en train de parler ici. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Dieu est capable de nous donner des victoires dans nos différents combats. Non seulement il peut nous arracher du danger, il est capable aussi de nous donner la victoire dans les différents combats que nous avons dans la vie. David a vaincu des bêtes féroces, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ça qui lui a donné l'idée que même devant un Goliath bien armé, il sera toujours gagnant. Silaha, et la suite nous montre effectivement que David a terrassé Goliath. Ya kwamba Daudi hakika aliogopesha limuua Goliath. Tunamvita maishani mwetu. Yana ki se bat contre la maladie. Kuko wale wako wanakombana na magonjwa. Yana ki se bat contre le chômage chaque jour. Kuko wale wako wanakombana hakika na kukosa kazi. D'autres c'est le célibat chaque jour. Bengine wako wanakombana na les échecs. Kukosa ndoa. Kushindwa. C'est pas la stérilité. Wengine ni kutokuza. Nous avons des combats chaque jour. Kila mtu yuko na vita yake kila siku. Mais écoute-moi ce matin. Nisikie asubuhi ya leo. J'aimerais que tu aies l'assurance. Mimi napenda uwe na hakikisho. Dans les combats que tu as. Ile mvito uko nayo. Dieu est là. Mungu yuko amo. Et parce que Dieu est là. Sawa vile Mungu yuko amo. La victoire kwamo est certaine. Ushindi ni hakika. Des fois nous fuyons les chiens, vous savez, les chiens qui aboient. Mara nyingi tunakimbia ka imbo yenyiko na foka. On fuit à quatre pattes, on fuit le chien. Tunakimbia sana imbo na foka. Mais tu as l'exemple de quelqu'un qui a affronté un ours et un lion. Lakini hapa ni mfano ya mtu ambaye alipigana na dubu na simba. À cause de l'Éternel. Kwa ajili ya jina ya milele. Et il a vaincu. Na akawina. Je te dis que tu es un gagnant avec Christ. Mimi nakwambia uko mshindaji na Yesu. Tu es un gagnant avec Christ. Uko mshindaji na Yesu. Quelle que soit la maladie que tu as un gagnant avec Christ. Je le déclare en son nom, tu as la victoire sur tes combats. Ne crains pas. Ne crains rien. Et l'assurance que le Dieu de David est ton Dieu aussi aujourd'hui. Daudi ni Mungu wako leo. C'est le même Dieu. Ni Mungu yule yule. Il te connaît. Anakujua. Tu as de la valeur. Il y a des gens qui pensent que c'est le Dieu des diacres, des dieux des anciens. Wewe uko na bei pa mancho yake. Kwa mwingine wanaanza sema yeye ni Mungu paka wa ba pastori wa wazee na mashemasi. Ni Mungu wako. Moi j'aime dire ça. Mimi napenda kuisema. Bon, moi aussi je suis ancien, n'est-ce pas? Mimi na mimi ni mzee, sio? À Kolwezi bien sûr. Ku Kolwezi. Mais je suis ancien. Mimi niko mzee. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amuitikie. Donc quand on est ancien à Kolwezi, on n'est pas ancien. Kisema kwa mzee ku Kolwezi hauna mzee. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Acha niambie kitu kimoja. Dans la nouvelle alliance, Muagano jipya, il n'y a pas ancien diacre. Hakuna mzee, hakuna shemasi. Ah, dans notre rapport avec Dieu. Ni kusema uhusiano yetu na Mungu. Même si tu n'as pas un titre à l'église. Sikia, hata kama una na cheo pa kanisa. Mais si tu crains Dieu.
Je te l'affirme ce matin. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Mungu atafanya bintu binene na wewe. L'ancien que je suis. Na kunipitia mzee mimi niko. Kunipitia diacre mimi niko. Je te l'ai dit au nom du Seigneur. Je voulais que tu écrives ça ce matin. N'oublie pas cette date, c'est la date de ta délivrance. Moi, ce qui m'a aidé dans la foi, c'est avoir confiance en moi-même par rapport à Dieu. Parce qu'au milieu entre moi et Dieu, il y a sa parole. Ce qu'un ancien peut faire, tu peux le faire. Ce qu'un apôtre peut faire, qu'il est apôtre tu peux le faire. L'essentiel, c'est que tu prononces le nom de Jésus. C'est que tu prononces le nom de Jésus. Et c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Notre manière de nous approcher de Dieu. Tu es connu de Dieu. Tu es connu de Dieu. Dieu te connaît. Ne te minimise pas. Ou dis-moi, je suis assis sur le banc. Je viens seulement écouter. Non. J'ai suivi une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais au moins c'est édifiant. Si Dieu kama ni kweli, lakini inajenga. Un pasteur avait beaucoup de dons, des dons de miracles. Pastori moja alikuwa na makarama nyingi. Il priait pour les gens étaient guéris. Alikuwa anaombea watu wanaponyeshwa. Mais dans son église, il y avait une maman qui avait un problème. Sasa kanisani mwake kulikuwa mama moja alikuwa na mambo. Il dit, nous allons nous lever, nous allons prier. Akasema tutasimama tuta. Et moi je vais clôturer. Na mimi nitafunga maombi. Ils ont prié et lui a clôturé. Bakaomba na yaka fululiza maombi. Le dimanche prochain, na Jumapili ijayo, la maman avait trouvé solution à son problème. Uyo mama kapata jibu et kwa mambo témoigné, anakuja kushuhudia. Et le pasteur na pastori, pensait que c'est sa prière qui avait donné solution. Maombi yake ilileta suluhisho. Alors il s'attendait à ce qu'on dise merci pasteur. Alichunga baseme asante pastori. Asante. Pendant qu'elle donnait son témoignage, wakati kwa analeta ushuhuda wake, elle va dire Dieu m'a dit akasema Mungu aliniambia de dire à telle sœur nimwambie dada fulani merci beaucoup pour sa prière asante sana kwa maombi yake. Alors on cherche la sœur, on ne la connaissait pas. Bana mtafuta dada hawakumfahamu. Effectivement elle était dans la salle le jour de la prière. Na hiyo siku hiyo dada alikuwa ndani ya maombi. La prière qui était écoutée par Dieu. Ndio maombi le Mungu alisikia. C'était la prière de cette maman là. Ilikuwa ni maombi ya ule dada. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Unasikia bile mimi nasema? Tous sote nous avons la même valeur. Tunakuwa na bei moja kwa macho ya Mungu. Responsables qui sont au-dessus de nous. Tunakuwa na wasimamizi juu yetu. Qui peuvent prier pour nous. Wanaweza kutuombea. Ce que je refuse moi. Lakini j'ai pas peur de le dire. Mina parce que je le dis au nom de Jésus. C'est de faire croire qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent prier pour les gens. Kusema ya kwamba ni paka banabii wanaweza kuombea watu, hapana. Et c'est ce que nous expliquons aux gens chaque jour. J'aimerais que les frères et sœurs de cette paroisse comprennent que eux aussi ont le pouvoir, l'autorité dans le Seigneur. Mais la foi a des risques. Imani ina mahatari. Ça peut ne pas marcher. Inawezekana habitembe. Regarde l'espérance. Lakini angalia tumaini. Jean 11. Yohane 11. Jean 11. Yohane 11. 3 à 4. Mstari wa 4 mpaka wa mstari wa 3 mpaka wa 4. Vous connaissez cette histoire de Lazare. Unajua historia ya Lazaro. Jean 11. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Napenda tusome kitu kimoja. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Oui, auparavant on a dit que Lazare était malade et tout ça. Wakatuma miyumbi kwa Yesu. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Bwana tazama yule uliyempenda ni mgonjwa. Après avoir entendu cela, Jésus dit. Kisha Yesu kusikia hilo akasema. Cette maladie n'est point à la mort. Hiyo magonjwa si kwa mais elle est pour la gloire de Dieu. Lakini ni kwa ajili ya utukufu afin wa Mungu. Que le fils de Dieu soit glorifié par elle. Kusudi mwana wa Mungu abarikiwe kwa hilo. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare.
Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. La foi, c'est un pari risqué. Na imani ni kitu cha hatari. Un pari risqué. Kusema jaribio la hatari. Lazare a pris le risque. Lazaro alichukua hatari moja. Quand je parle Lazare, vous pouvez vous étonner, dit non, c'est Marthe et Marie. Wakati nasema Lazaro, mnaweza kusema ni Martha na Maria. Mais je dis Lazare. Lakini nasema Lazaro. C'est Lazare qui est malade. Ni Lazaro ndio ko malari. Et donc il y a concertation avec ses sœurs. Nikusema hapo sasa anafanya meeting na dada zake. Qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini? Je suis malade. Mimi niko mgonjwa. Je suis mourant. Mimi natafuta kufa. Qu'allons-nous faire? Tutafanya nini? Il y a concertation. Nikusema kuna mkusanyiko. On ne parle pas de Lazare qui parle. Mais je vous fais voir que quand quelqu'un est malade, on a besoin de son point de vue, d'accord? Lakini wakati mtu yo malari, banapenda kusikia na yeye kumusikia. Ni kusema na yeye walimuuliza. Qu'allons-nous faire? Tutafanya je? Ils ont décidé d'envoyer quelqu'un vers Jésus. Wakachukua mpango ya kutuma miyumbi kwa Yesu Kristo. Or, il y a presque tout un jour de marche pour atteindre Jésus. Ilibidi watembee mchana mzima kwa ajili ya kupatana na Yesu. Je dis donc qu'ils avaient la foi en Jésus. Nikisema walikuwa na imani ndani ya Yesu. Parce qu'ils connaissaient Jésus. Maana walimjua Yesu. Parce que Lazare était son ami. Maana Lazaro alikuwa rafiki yake. Marie et Marthe c'était ses disciples. Na Maria na Martha walikuwa hakika wafuasi wake. Si nous envoyons quelqu'un vers Jésus, Jésus va venir et Jésus va guérir notre frère. Basi tutume mtu kwa Yesu. Mais Jésus va prendre encore deux jours après Yesu la nouvelle. Akachukua tena siku mbili, kisha habari. Et quand il va décider de venir, na wakati il va arriver kurudi, le quatrième jour. Akafika siku ya nne. Donc il y a un retard. Ni kusema alifika nyuma. Ah, je ne sais pas si je me trompe dans mon exégèse. Je dis, Jésus est arrivé, mais en retard. Yesu alifika nyuma. Parce que le besoin, c'était quoi? Que Lazare soit guéri. Maana wao walitaka Lazaro aponyeshwe. Et je me dis, il y a des fois, nous pouvons prier et Dieu prend son temps pour venir. Na mnajua ya kwamba tunaweza kuomba lakini jibu inakawia. Et c'est là où beaucoup de gens trébuchent. Na niyo wakati kwa kuchunga ndio watu wanaanguka. Mais il y avait une autre solution. Kulikuwa suluhisho ingine. Ils pouvaient se dire, Jésus est trop loin. Wangelisema Yesu yuko mbali. Allons vers un médecin, il y avait des médecins. Twende kwa munganga fulani. Ou même allons vers un praticien. Ama twende kwa mganga fulani. Allons vers un voyant, il y en avait. Basi twende kwa mtu mganga. Mais ils n'ont pas vu tout cela. Hawakuona yale yote. Ils ont vu seulement Jésus. Wakamwona Yesu. Mais apparemment, ils pouvaient se dire, Jésus nous a déçus. Na wangeliweza kusema, ah. Mais parce que Lazare est mort. Yesu anatuzaraulisha, Lazare amefariki. Il est toujours là. Mais on ne peut pas le garder. Hatuwezi kumchunga. En Israël, il faut enterrer vite, vite. Inabidi tumzike. Nous allons même enterrer. Mais il n'est toujours pas là. Hajafika. Ces jours-là, ils pouvaient se détourner de Jésus. Na leo ile siku alipasha kuachana na Yesu. Ils pouvaient dire, non, ce n'est pas un bon ami. Wangelipasha kusema uko rafiki mubaya. Ce n'est pas un bon Seigneur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ces jours-là. Lakini kitu ilipitikana hiyo siku. La foi que ces femmes avaient. Imani ile wale wanawake walikuwa nayo. Même quand Jésus vient. Hata wakati Yesu anakuja. L'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Na hakika mapendo walikuwa nayo kwa ajili ya Bwana. Toi tu étais là. Aseme kama wewe ulikuwa hapo. Lazare ne serait pas mort. Lazare angefariki. Mais tu es arrivé entre guillemets en retard. Lakini wewe ushachelewa. Quand tu pries que Dieu ne viens pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Wakati majibu inachelewa maisha yako na fanya kazi. Il y en a qui restent dans la foi. Kuna wale wana nyuma mwa imani. Il y en a qui se tournent vers les marabouts. Kuna wale wanakimbilia waganga wachawi. Il y en a qui prennent des raccourcis. Wale wanachukua manjia mifupi. Écoutez, avec Dieu. Pamoja na Mungu. Il y a plusieurs niveaux de foi. Kuna mahatua na hatua na hatua za imani. Et je pense que Jésus dans son retard, et j'ai dit ceci. Yesu Kristo mkuchelewa kwake. Le retard que Jésus a pris. Ile kuchelewa Yesu alichukua. Ce n'était pas un empêchement pour agir. Na sio kusema kwamba alifanyishia mu. Ni sio kusema kwamba alikuwa kwa makusudi. Le retard de Jésus.
Ile kuchelewa ya Yesu n'est pas une impossibilité pour agir. Na sio kusema kama anashinda kutenda. Le retard de Jésus kuchelewa kwa Yesu n'est pas un blocage pour agir. Sio kizuizo kwa kutenda. C'est ce qu'il va dire à Martha. Nikila tamwambia Martha. N'étais-je pas dit? Wewe mimi sikukwambia. Si tu crois, kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Moi que tu vois. Mimi unayeona. Je ne suis pas seulement le Dieu qui guérit. Sio tu Mungu anayeponyesha. Je suis le Dieu qui a le pouvoir même sur la mort. Mimi ni Mungu ambaye niko na uwezo juu ya mauti. Il est mort, je suis d'accord, mais ça ne m'étonne pas parce que moi je vais le ressusciter. Juu ya nini mimi nitamfufua. Et Jésus était à l'aise. Na Yesu Kristo alikuwa na hakikisho. Quand un médecin est en train d'opérer quelqu'un, il trouve que c'est difficile. Unajua wakati mganga anakuwa hakika anatibu mtu. Il sort d'abord, il dit non, ça me dépasse. Anaweza kutoka nje anasema ah hii mambo iko nguvu sana, iko nguvu. J'ai pas l'espoir. Jésus n'est pas ce genre de médecin. Na Yesu ni tofauti na mganga wa aina hiyo. Il est calme. Ye yuko kimya. Et il fait le deuil comme tout le monde. Na analia kama watu wote. Quand tu crois à moi. Ukiamini ndani yangu. Quand bien même tu peux mourir. Hata kama unaweza kufa. Tu vas ressusciter. Wewe utafufuka. Et si je veux. Kama nikipenda. Et quand tu es malade. Sa uko malade. Que ne puisse pas mourir. Usikufe. Tu vas pas mourir. Au ta kufwa. J'ai le contrôle de tout. Mimi hakika nina control. Dans ta situation, Jésus a le contrôle de tout. Nikusema Yesu anazingatia sehemu zote. Tu as prié aujourd'hui. Uliomba leo. Il n'y a pas de réponse. Hakuna majibu. Continue à attendre. Endelea na kuchunga. La foi, ça ne veut pas dire que tu auras tout automatiquement. Imani sio kusema utapata. Continue à patienter. Endelea na kusubiri. Ça peut faire une année, ça peut faire deux ans. Inaweza chukua mwaka, miaka. Mais au moins ce matin, j'aimerais te dire, asubuhi leo napenda kukuambia uwe na imani. Quel que soit le temps, ingawa wakati, Jésus va faire quelque chose. Yesu atafanya kitu kimoja. Jésus venait dire à ton cœur. Nikuja kumwambia mtu mmoja. Quel que soit le temps, ingawa nyakati Jésus unapitia, va agir. Yesu atatenda. Parce qu'il est le maître de toute situation. Mana yeye ni Bwana wa nyakati zote. Des situations qui peut dépasser Dieu. Hakuna jambo linaweza kumshinda Mungu. J'avais un ami, nilikuwa na rafiki moja, un cousin. Alikuwa mtani yangu. Ah, ce garçon avait la foi. Na huyo ndugu yangu alikuwa na imani. Moi, je suis païen à cette époque. Mimi nilikuwa mpagano hiyo wakati. Son témoignage m'a bouleversé. Na ushuhuda yake ilinichanganya. Il dormait avec moi. Tulikuwa nalala naye pamoja. Il est tombé malade dans notre chambre. Nikusema akaugua chumbani mwetu. Et nous n'étions pas loin d'un centre médical un peu moderne. Na hatukukua mbali na hospital moja ya karibu. Alors nous lui disons, tukamwambia hivi, il faut qu'on aille à l'hôpital. Inabidi tuende kwa hospital. Il dit, vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Asema unasema mambo ile amuyue. Comment? Tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Asema uko malari, inabidi uende kwa hospital. Une forte fièvre. Maungo ilikuwa moto sana. Il refuse. Akakata. Il dit, moi, mimi, je ne dis pas fait ça. Mishi seme ufanye vile. Ne faites pas ça chez vous. Hapana kufanya vile kwenu, kwako. Il dit, moi, mimi, j'ai dit à Dieu, namwambia Mungu, jamais l'hôpital, si tenda kopitalo, s'il veut que je meure, kana penda nikufwe, je vais mourir, minta kufwa le hapa, me guérisse, laki aniponyeshe, pour que toi tu crois, kusudi wewe uamini. Ok, la nuit, forte fièvre, usiku, le matin, fève ya nguvu, forte fièvre, asubuhi fève ya nguvu, le soir encore, forte fièvre. Et nous prenons même de l'eau, nous les jetons là-bas. Tu vas mourir pour rien. Hey, il faut qu'on le prenne de force. Le troisième jour le matin, le gars ne se réveillait pas. Ashilamuke. On est allé le bouger. En le bouger, on a senti qu'il n'avait pas la fièvre. Il n'est pas mort, il dormait. Et puis il dit, akasema, pourquoi tu me bouges? Unanitenkesha njua nini? Laisse-moi dormir. Acha nilale. Dieu l'a guéri. Mungu akamponyesha. De la fièvre, j'ai vu ça. Mimi niliona hivi. Dieu l'a guéri de la fièvre, une forte fièvre. Mungu aliponyesha toka feva kubwa. C'est un risque. Ni hatari alichukua. Lazare est mort. Lazaro amefariki. Mais nous savons que dans le plan de Dieu, il devait ressusciter. Na tunajua mpango ya Mungu. Mais au moins il est mort. Lakini ashakufa mbele. La foi, imani, pour les gens.
qui sont prêts à prendre des risques. Ni watu ambao wanachukua mahatari na Mungu. Et dans ton risque là, na mwile hatari unayochukua, Dieu peut te récompenser. Mungu anaweza kukulipa. Quand tu sombres là, wakati biote binakuwa ne désarme pas. Aliendeke. Continue endelea, avec Dieu. Endelea na Mungu. Et tu seras ressuscité. Na we utafufuka. Et tu seras guéri. Na we utapona. Et tu seras béni. Na we utabarikiwa. Et tu seras élevé. Na we utainuliwa. Et tu seras glorifié. Na we utatukuzwa. Parce que Lazare a été glorifié. Maana Lazaro alitukuzwa. Entre Lazare guéri. Kati ya kuponyeshwa. Et Lazare ressuscité. Na Lazaro mwenye kufufuliwa. C'est deux choses différentes. Ni vitu bidebya kwa chana. Deuxième ingrédient bien-aimé. Na kiungo cha pili. La vertu. Waki. À la foi. Il faut ajouter kwa imani, la vertu. Inabidi kuongeza uhaki. La vertu, nous sommes dans la bonne conduite. Hakika tuko mu mambo ya ukweli, mwenendo mzuri. Le bon caractère. Ni kusema mwendo mzuri. L'ethos, l'éthique. Hakika mifano mzuri. Quand tu as la foi, même tu peux déplacer des montagnes. Uko na imani yenye naweza ku. La Bible nous dit, milima, à ta foi, ajoute la vertu. Kuile imani uko nayo. La bonne conduite. Ongeza ko mwenendo mzuri. Tu accomplis des miracles. Unatenda miujiza. Mais en même temps, une bonne personne. Lakini uwe vile vile mtu mzuri. Sois en même temps une bonne personne. Uwe mtu mzuri. Bien-aimés, vous allez lire 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Tasoma wa Korinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza paka wa 5. Quelque chose. Napenda kutuonesha kitu kimoja. Il y a des gens qui ont des dons. Kuna watu wako na mazawadi makarama. Charisme dans l'église. Hakika wako wenye ku. Les Corinthiens aussi avaient des dons. Muneno la Mungu. Wa Korinto pia walikuwa na makarama. Ils faisaient aussi des choses. Walikuwa wakifanya vitu vikubwa. Des miracles et des prodiges. Miujiza maajabu. Mais parmi eux, lakini katikati yao, il y avait des gens qui n'avaient pas de vertu. Kulikuwa watu ambao hawakuwa na mwenendo mzuri. Qui avaient un mauvais comportement, qui étaient immoraux. Ni kusema hawakuwa na maisha iliyo sawa kwa macho ya Mungu. Et dans le passage que je vous donne, na musomi inatoka kusoma. Paul est clair, il dit ceci. Paulo anasema, cette personne là, huyo mtu qui est dans l'immoralité, ambaye anakuwa mu maisha mbaya, immoralité aussi grave, anayekuwa muzambi, moi je voudrais, mimi napenda, que cette personne soit livrée même à Satan, huyo mtu tumutoe kwa shetani, pour que nous sauvions son esprit, kusudi tuokoe roho yake, soit corrigé, kusudi tuokoe roho yake. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Kusema nini mpendo? Si tu as la foi, kama uko na imani, unapinduza milima. De bonne manière, lakini uko mtu wa zambi. Tu n'es pas utile à l'église. Ni kusema hauna wa mafaa kanisani. Nous avons une seule personne qui fait des miracles, qui prie et les gens sont guéris. Hata kama tuko na mtu mmoja mwenye kuna fami ujiza naomba watu wanaponyeshwa. Cette personne n'est pas utile à l'église si elle n'a pas de bonne manière. Ule mtu hana wa mafaa kanisani kama hana na mwenendo mzuri. C'est pourquoi il dit il faut le livrer à Satan. Ndio kama na Paulo anasema tumutoe kwa shetani. Vous comprenez la gravité des choses. Munasikia hakika mambo ya nguvu. Mais entre nous. Katikati yetu. Livrer à Satan c'est pas tuer. Na kutoa mtu kwa shetani sio kusema kuua kupiga hapana. On appelle ça l'hyperbole. L'hyperbole, c'est pas comment tu vas l'hyperbole. Figure de style dans la Bible, il y a des hyperboles, c'est-à-dire qu'on dit une vérité mais en l'exagérant. Ni kusema ni ukweli lakini yenye kupitilizwa. Paul ne voulait pas dire. Paulo akupenda kusema. Appeler Satan, Satan vient. Asema Satan akuya, shetani kuya. Zoa mtu nayo. Non. Chukua mtu wako. Il voulait parler de l'exclusion, l'excommunication de la personne dans la communauté. Mais avec l'idée que cette personne puisse se repentir et revenir. Mais s'il ne revient pas, tant mieux. Donc j'ai dit ceci. Il y a des gens qui parlent bien, qui prêchent bien, mais qui se disqualifient par rapport à leur comportement. Alors ce matin, Dieu nous exhorte. Dans la foi que nous avons, ajoutons aussi la bonne conduite. Il y a des pasteurs qui s'injurient sur les réseaux sociaux. Ils doivent être excommuniés, livrés à Satan. Moi, je regrette les chrétiens qui passent des messages de tels pasteurs.
Vous transférez n'importe quoi. On dit si tu transfères à 10 000 personnes aujourd'hui, tu auras ta récompense. Dieu va faire quoi? Parce que tu as transféré un message, Dieu va te bénir. C'est quelle bénédiction ça? C'est la parole de Dieu qui bénit. Parle de Jésus aux gens, tu seras béni. Ce n'est pas en transférant des messages. Il y a des gens qui ne lisent même pas le message, ils transfèrent. Ce n'est pas seulement la beauté du message qui compte. Mais la qualité de la personne qui donne le message compte aussi. Si ce n'est pas une bonne personne, doit être exclue. Troisième chose. À la vertu, il faut ajouter la connaissance et on va terminer. De Pierre 1:5 toujours à la vertu. À la foi, vous ajoutez la vertu, à la vertu, vous ajoutez la connaissance. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas la vertu, vous mettez le désordre à l'église. Mais maintenant, quand vous avez la foi, vous n'avez pas la connaissance, vous provoquez les hérésies à l'église. Vous êtes une bonne personne, vous prêchez bien, mais ce que vous dites, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous êtes devenu hérétique. We, hakika, unakuwa mtu wa kupoteza watu. Alors, pour ne pas devenir hérétique, kusudi usunge lipoteza alors que nous sommes des gens bien, sisi ni watu wa nous respectons Dieu et sa parole. Tunamheshimia Mungu na neno lake. Nous devons chercher la connaissance. Tunapashwa kuwa na ufahamu. Et la connaissance, mes frères, na ufahamu wa pendo, il y en a de tous types. Inakuwa mu hatua mbili. Vous avez la connaissance scientifique. Kunakuwa ufahamu wa ki et la connaissance spirituelle théologique de ya kishule na kuna ufahamu tena ya kiroho. La connaissance scientifique, elle est importante. Na ufahamu wa kishule ni ya muhimu. Nous devons la voir. Tunapaswa kuwa nayo. Si y a la connaissance scientifique, kama kuna on peut améliorer les conditions de vie. Tunaweza hakika kutengeneza maisha ya watu. On a besoin des ingénieurs. Tunahitajia wa besoin des médecins, des professeurs. Tunahitajia wanganga. Etc. Mais la connaissance scientifique a un problème. Lakini ufahamu wa shule una shida fulani. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir. Utaona kwenye Biblia kwamba la Bible fustige un peu certains côtés de la connaissance scientifique. Na kuna vitu fulani fulani Biblia inakataa. Ah, la connaissance scientifique, elle est douloureuse. Na ufahamu wa shule inakuwa ya maumivu sana. Plus il y a des recherches, plus il y a des découvertes, plus il y a la douleur dans le monde. Ni kusema hakika wakati mtu anatafuta sana inaleta maumivu sana. Aujourd'hui, il y a en Ukraine, on craint l'arme nucléaire. Leo kule Ukraine tunakuwa naogopa. Cette arme, le résultat des recherches scientifiques. Silaha ya juu sana hiyo inatokana na ufahamu wa shule na inaleta maumivu. Ya la science aussi a un autre problème, c'est qu'elle est fatigante. Na ufahamu wa shule pia inachokesha. C'est qui nous l'a dit? Na Biblia inatuambia on ne se fatigue jamais de chercher. Na hatuchoki na kutafuta na kusoma. On semble découvrir. Na wakati tunatafuta tunavumbua. On vient, on redit la même, on redit non, ce n'est pas ça. Leo tunarudia kusema il n'y a pas de vérité absolue avec la science. Ni kusema hakuna kitu kenye kukamilika ndani ya ufahamu wa shule. Lakini Paul anasema la science, la connaissance, kwa ajili ya ufahamu wa shule, ajoute un peu d'orgueil à la personne. Inaongezaka pia kiburi kwa mtu. Les intellectuels sont dans la plupart des cas des orgueilleux. Ni kusema wenye kuwa na ufahamu wa shule wa juu wanakuwa na kiburi. Ah, parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont la connaissance. Et je suis sûr ici, si je dis à quelqu'un, lève-toi, présente-toi, il va dire, je suis ingénieur Paul. Atasema, mimi niko frère, quel est ton Paolo nom? Je suis docteur Narcisse. Asema, mimi niko docteur Narcisse. Non, ton nom n'est pas docteur Narcisse. Jina kwa ina docteur Narcisse. Ton nom c'est Narcisse. Ndugu yako ni jina ni ndugu Narcisse. Jo anasema docteur. La connaissance enfle. Nikusema ufahamu wa shule unaleta kiburi. Quand tu viens de la collation, wakati unatoka collation, même ta démarche change. Na namna yako ya kutembea inabadilika. Nous sommes des orgueilleux, nous des intellectuels. Sisi tunakuwa wenye kufunda na kiburi. Un jour j'ai répondu à un message à un frère. Siku moja nilijibu kwa message ya ndugu moja. OK, c'est papa Pierrot qui t'écrit et structure. Il dit non. Docteur, pourquoi tu parles de papa Pierrot? Asema ndugu, sasa wewe utasema je papa Pierrot? Moi je ne signe jamais docteur. Non. Mimi siwezi kuweka saini asema dada. J'écris papa. Nasema papa parce que ça m'approche des gens. Maana inafanya niwe karibu na watu. Je ne me présente pas docteur.
Je me présente papa. Parce que je sais que la science s'il vous plaît, bien aimé. Ce que Dieu demande que nous puissions avoir comme connaissance, ce n'est pas seulement cette science. Il n'est pas contre. Osée 4 et 6. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Pour qu'on ne vous trompe pas. Pour que vous ne trompiez pas dans les fausses doctrines. Beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible. C'est pourquoi les réseaux sociaux nous distraient. Tu dois lire la Bible toi-même. Pas te contenter de ce que les autres ont lu. Tu dois connaître la parole de Dieu toi-même. La parole de Dieu nous assure le salut. La Bible dit que la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand tu connais Dieu, tu es rassuré d'aller au ciel avec lui. La science va rester sur cette terre. Au ciel, on n'a pas besoin de médecins, on n'a pas besoin de juristes, des avocats, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça, on a besoin des adorateurs. Et les adorateurs iront parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. J'ai beaucoup transpiré. Mon message est terminé. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons prier un peu.